Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il s'agit bien d'une vidéo sur les Dyson. Donc c'est une abonnée qui m'a demandé de faire donc une démonstration avec la tête plate. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est vrai que j'ai quelques vidéos et je vous avais jamais montré comment, qu'est-ce que ça donne avec des cheveux bien bouclés et la tête plate du Dyson. Donc, vous en avez bien deux. Normalement celle-ci c'est pour les cheveux dits crépus et ça c'est pour les cheveux fins. Moi je préfère utiliser celle-ci, donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Check the mic and make sure it sound right. Donc bien sûr j'ai lavé mes cheveux, ils sont encore même mouillés. Ce que j'ai utilisé pour les laver aujourd'hui, vu que je sais que je vais les lisser, c'est des produits L'Oréal de la gamme Procératine, je crois. En tout cas, donc c'est un shampoing lissage et aussi un soin lissage. Donc ces deux produits là, je sais qu'ils vont m'aider à parce que les cheveux ils lissent quoi, les lissages tiennent plus longtemps. En plus, ils sont juste trop bons, j'adore ça. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer un produit pour procéder à mon lissage. Pour ça j'en ai deux aussi, c'est de la gamme là. Donc j'ai ceci, ça c'est une huile de brushing perfectrice des brillances. Celle-ci, soit vous la mettez encore avec les cheveux humides, mais ça marche très bien aussi après donc lissage, sauf qu'il faut vraiment mettre très peu. Et j'ai donc ceci, c'est un sérum et c'est normalement donc c'est un sérum SOS Smooth. Donc vous avez 4 jours et c'est pour les cheveux rebelles. Aujourd'hui je vais prendre celui-ci, vraiment un peu, et ceci je vais appliquer donc sur les longueurs, pas au niveau de la racine là, parce que sinon les cheveux ils vont être très vite gras et c'est pas ça qu'on veut. Donc il faut dire que mes cheveux, depuis que j'ai fait la couleur, donc les baby lights que j'avais, c'est pas les mêmes cheveux que j'avais avant. Donc mes boucles elles sont un peu plus détendues. Je pense que forcément c'est à cause de tous les procès chimiques. Donc c'est un peu moins bouclé hein, mais vous avez quand même des boucles hein. Je pense que là ils ont pas mal souffert et j'ai aussi quelques centimètres en moins. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire c'est enlever un peu encore de l'eau que j'ai dans les cheveux. Donc je vais prendre cette tête-ci. Là j'en ai pas beaucoup parce que forcément je me suis maquillée. Donc les cheveux ils ont eu le temps de sécher. Je les divise en deux et puis ici je vais encore faire ceci. Voilà, donc juste pour vous donner une idée de combien de temps ça prend. En fait ça va super vite avec la tête là. Là il est 13h35. Donc moi je prends quand même pas des toutes petites, mais quand même des petites mèches. Puis donc, je passe directement. Donc voilà, franchement même pas une minute et c'est déjà sec. Je prends la deuxième partie. Donc voilà, là en 3 minutes j'ai fait tout ça. Je pense que en tout, là je m'arrête, je vous explique, mais en tout quand j'ai fait avec la tête là, j'ai les cheveux qui sont séchés et donc lissés en 10 minutes. Donc, je prends ici. Après, si vous voulez,
pouvez bien sûr prendre une brosse et donc les brosser avant. Moi je brosse directement avec ceci. Voilà. Donc je prends vraiment des grosses mèches. Hein. Voilà, j'ai fini en quoi, je sais pas, 5-8 minutes, mais bon, sachant que je m'arrête, donc du coup pour vous expliquer, et donc ça c'est avant et ça c'est après. Il faut dire que on a les cheveux qui sont secs, lisses, mais c'est pas un lissage parfait et c'est pas non plus un brushing. Ça fait l'affaire, hein. Ça vous lisse les cheveux, ça vous les sèche en même temps. Je pense que pour celles et ceux qui font, je sais pas, des tresses ou je ne sais rien après, ça peut faire l'affaire, ça marche bien. Par contre, vous n'avez vraiment pas le lissage parfait, pas du tout. Mais par rapport à ceci, donc. Vous voyez, j'ai vraiment les cheveux. Ça fait l'affaire, hein? C'est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher cette partie-ci et puis j'y reviens de suite. Voilà, donc j'ai déjà fini cette partie-ci. Comme vous pouvez voir, comme ici, c'est lisse, hein? C'est bien, c'est sec. Mais même au niveau des racines, donc on n'arrive pas à bien faire. C'est pas un brushing, c'est pas un lissage. Ça va vous lisser les cheveux, ça va vous sécher les cheveux, mais vous n'allez pas avoir un effet ni brushing ni lissage. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait ceci, donc je reprends encore une fois, je divise, je laisse ici une mèche, voilà. Je vais prendre la tête ronde du Dyson et je vais essayer de donner un peu de forme à tout ça parce que même au niveau des pointes, c'est juste plat. Donc je prends la tête et puis je vais me faire et les racines un peu et puis les pointes aussi. Voilà, donc c'est déjà mieux. Et je continue ainsi de suite. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si on peut vraiment l'apprécier à la caméra. Mais bon, regardez ici. Comment les cheveux ils sont avant. Faut pas prendre des toutes petites. Mais bon, pas non plus des grosses. Donc vous voyez, regardez ici, donc on voit bien les racines encore. Je fais. Et c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Même au niveau des pointes, pour vous donner la forme. Après, vous pouvez faire aussi un peu de mouvement. Hein. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Bon, là, vous voyez comment les cheveux y sont. Donc, il y a même encore ici un peu. Et il n'y a pas de forme au niveau des pointes. Donc, je prends. Et voilà, donc vous voyez bien la différence entre les deux. Donc ici je vais sécher un peu comme ça parce que j'ai mis...
donner un peu de mouvement à l'avant. Après, bah, s'il y a des parties où vous n'êtes pas satisfait, là je vois que c'est pas top, bah, vous pouvez passer à nouveau. Mais en tout cas, bah, voilà ce que ça donne après. Donc pareil, je vais faire ces côtés-ci et puis je reviens dessus. Donc, voilà, j'ai déjà fini ces côtés-ci aussi. Donc comme vous pouvez voir, à la fin, bah, ça fait comme si j'avais fait un brushing. Sauf mes cheveux ici. Mais je n'ai pas mis des cires, rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais vous voyez, même là, c'est presque comme si j'avais lissé. Enfin, les racines ne sont pas comme avant. Les cheveux, ils sont brillants. Ici, bah, j'ai fait un peu de mouvement comme ça à l'avant. Là, vous pouvez voir un peu. Voilà. Mais sinon, bah, ça marche super bien. Après, bah, une fois que vous avez fini, vous pouvez très bien mettre donc, un sérum. Bah, moi, je vais prendre celui-ci, du coup. Mais vraiment, une toute petite goutte. Pour mettre au niveau des pointes. Voilà, mais sinon, bah, c'est parfait quoi. Non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les messages. Moi j'aime bien, sauf ici. Moi j'aime bien. Donc oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les messages. Attendez, je vais faire ici un peu plus. J'ai coupé mes cheveux, j'arrive pas encore à m'habituer, je sais pas comment me coiffer. Mais en tout cas, donc voilà, ça c'est le résultat final. En tout, ça m'a pris 20 minutes, surtout que là j'ai les cheveux plus courts, donc ça va beaucoup plus vite. Mais sinon, c'est vraiment en 20 minutes, même pas, j'ai déjà fini. Parce que environ 10 minutes pour les sécher, donc avec la... 10 minutes pour les sécher avec la brosse plate et puis une dizaine de minutes également pour faire donc avec les la brosse ronde pour arriver donc à ceci. Mais ça va super vite hein, c'est parce que bon là je me suis arrêtée, je vous parlais en même temps, mais sinon ça va super vite. Et puis oui, donc avec la longueur que j'ai là, environ 20 minutes et c'est nickel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et aussi, bah, si vous voulez voir des choses ici sur la chaîne, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. Et avec plaisir, bah, si j'y arrive, si je peux, je vous ferai la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye!